Salut à tous, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Call of Duty World at War, donc le cinquième. Et donc nous sommes sur, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, sur le mode qui nous permet de jouer à Kino Der Toten sur World at War. Voilà, donc assez spécial. Vous pouvez voir que, ouais voilà, c'est assez simple, mais bon ça suffit, juste pour assez rigoler. Donc il y a un mode qui est super marrant, c'est il y a Arcade Mode, Sharp Shooter, Bounty Hunter et classique. Classique, c'est vous jouez normalement, et Gun Game, c'est juste trop marrant, c'est cheaté à mort. Donc on va jouer avec ça, vous allez bien rigoler. On va pas faire quelque chose de trop long non, quand même, hein, même si si je vais aller loin, ça va être long, mais bon, on va éviter. Donc on commence tout de suite. Voilà. Donc on va baisser. Voilà. We need to turn the power on. Donc on peut voir que ça ressemble assez à la ma à map sur BO1. Mais voilà, donc il y a certaines personnes qui m'ont dit comme quoi ça aurait pu leur plaire un zombie, donc bah du coup je me suis dit que pour faire plaisir à ces personnes ainsi qu'à moi, parce que j'avais pas un jeu, j'allais le faire. Voilà, donc là ça fait à peu près un mois que j'ai pas joué, donc vous m'en voudrez pas si si j'ai un peu de mal tout simplement. Alors où est-ce que je trouve le contrôle? Non, attendez hein. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va oublier, vous les baisser la sensibilité. Baisser le son, parce que vous devez bien entendre et j'ai pas trop envie. Donc désolé de ne pas avoir sorti de vidéo pendant un certain nombre de temps, mais comment dire, en fait je voulais sortir une vidéo sur The Forest, mais quand j'ai vu que la mise à jour la sort dans 2 jours, je trouve ça un peu con de, bah tout simplement de sortir une vidéo dans 2 jours. Aussi, ah oui, attendez. J'avais dit à pas, j'ai oublié de le dire dans ma précédente vidéo, je suis parti en vacances encore pendant un peu plus d'une semaine, ce qui fait que j'ai pas pu faire de vidéo, donc c'est pour ça qu'il y a peu de vidéos pendant une semaine tout simplement. Donc je m'excuse pour ce manque d'activité sur ma chaîne, voilà. Et aussi vous avez pu remarquer mon intro. Donc cette intro je l'ai faite il y a plus d'un an au moins, et la musique j'avoue c'est assez spécial, donc vous entendez un chant assez étrange, ainsi que derrière il y a un peu de dubstep. Donc bon, je pense que ça, j'espère que ça vous plaît, c'est assez bizarre, ouais, mais au moins j'ai une intro maintenant, voilà. Ouais, le son est vraiment rikiki, hein. Attendez, désolé hein, pour ces réglages de dernier. Alors voice volume, ça on s'en fout, music volume on va augmenter un peu, SFX volume ça aussi on augmente, cinématique volume on s'en fout, master volume on laisse comme ça, normalement ça devrait aller mieux. Non, désolé, j'ai un peu de mal, hein. Attendez. C'était super fort et là. C'est bon? Ouais, c'est un peu mieux. Donc regardez, par exemple, lui je le tue. Voilà, donc là j'ai un x2. Ah merde, comment je fais pour cuter? De chargeur. Bon, ok, je sais pas comment faire pour cuter, c'est pas grave, j'ai été au flingue. Voilà, donc là vous pouvez voir que c'est pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais j'ai ajouté en mode classique, mais vous allez voir que plus tard j'aurai des armes. Enfin là vous pouvez voir en bas à gauche j'ai des points, et quand j'arrive au niveau suivant je change d'arme automatiquement. Donc au bout d'un moment je vais tomber sur un sniper, donc le truc assez chiant, mais bon. Donc là je vais prendre ça déjà, c'est revive. J'appuie sur E, voilà. Par contre, pour courir, attendez, j'arrive à courir. Voilà, ok. Tout simplement. Donc, j'espère un peu que ça va vous plaire, que je change un peu de jeu. Je pense que là, c'est du survie. Donc, c'est un peu comme The Forest, sauf que bah voilà, c'est du Call of Duty. Hein. C'est du zombie. Et je sais pas si vous êtes au courant, il y a un Call of Duty qui va sortir là, Advanced Warfare, il me semble. Et il y aura certainement un zombie dedans. Franchement, j'adore tellement le zombie que j'aimerais bien savoir à quoi ça va ressembler. J'avais bien aimé celui de. Vous avez vu là j'ai un scorpion maintenant, donc ça c'est bien. En fait c'est un petit peu cheaté. Mais quand je tue ceux qui sont brillants là, bah je gagne des trucs. Et donc j'ai balles illimitées hein, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que je recharge quand même mais j'ai toujours 240 balles. Donc ce qui fait que je peux doser à mort. Donc ouais, c'est vrai que je suis un peu invincible, mais je prends quand même les coups en pleine tronche. Donc voilà, je peux quand même mourir, hein, c'est pas. Voilà. Alors, vous avez vu, ça ressemble assez, hein. Bon, c'est moins bien fait forcément, il y a aussi pas les drapeaux, ah oui, là c'est un que si je le tue, je vais gagner quelque chose. Il n'y a pas les drapeaux enfin, de la croix gammée là. Oh, ils ont bien fait, hein. Voilà. Ah, encore un x2. Pas beaucoup de chance.
Ah. J'ai un peu de mal, désolé. Voilà, donc là, ah, ça c'est bien. Ça c'est à dire que je suis... Donc là, normalement, ils peuvent me taper, ça ne fait rien. Voilà. Et j'adore faire ça, parce que vous savez ce que je fais. Je vais dans un coin et je les laisse tous aller vers moi et ensuite, enfin, c'est très marrant. Regardez. Donc là, vous croyez que je vais mourir. Ah, je vais mourir. Mais non. Donc là, il y a le x2. Là, on commence à tirer. Voilà. Ça, je trouve assez marrant. Donc, ouais, donc... franchement, sur PC, ce jeu ne demande pas beaucoup de ressources. Vous pouvez jouer forcément avec un PC pas forcément très puissant. Et pour jouer, en tout cas, déjà, faut craquer World at War. Donc ça, il y a des tutos sur YouTube, hein, tout simplement. Et ensuite, vous allez simplement aller sur... bah, vous marquez UGX Mod Manager, voilà. Vous téléchargez ce logiciel et ensuite, sur ce logiciel, vous téléchargez... la map qui vient d'Air Totten et ensuite elle se lancera automatiquement dans les modes de World at War. Sinon vous pourrez lancer directement la map sur le logiciel, donc ça lancera le jeu tout seul. Aussi moi j'ai téléchargé simplement le zombie, j'ai pas téléchargé le multijoueur, la campagne et tout, vu que je voulais simplement jouer au zombie. Du coup ça prend moins de place. C'est pour ceux qui ont une connexion comme moi, bah c'est bien parce que du coup ça évite d'aller prendre les armes, ça évite de de devoir télécharger tout le jeu, alors que là c'est moins lourd et c'est plus avantageux pour les gens comme moi. Voilà. Simplement. Donc aussi pour vous mettre un peu à jour sur ma vie privée, on va dire un peu vite fait. Hein. Donc là j'ai bien eu ma moto. Donc c'est une Yamaha 125 DTR de 99. Donc elle est pas toute récente, mais bon, elle est en bon état, donc ça va, ça roule bien. Et en fait, pour ceux qui peut-être très bien se lancer dans la moto, bon, moi perso j'ai 17 ans dans le 13 septembre, donc dans pas longtemps. Mais après, quand vous avez des parents qui ont déjà une moto, qui aiment bien ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Alors que quand vous avez personne, bah franchement c'est plutôt galère. Mon perso c'est une 125, donc j'ai peur de la conduire, vous imaginez bien. J'ai pas mon permis, j'ai pas le BSR, j'ai rien. Donc, voilà, c'est un peu limite. Mais bon, je fais du cross, je fais de l'enduro, donc je roule sur des chemins et tout. Je fais pas de la route avec, voilà. Et même quand je passe dans mon village, je fais les clignotants et tout, donc je fais bien attention, moi, je suis pas un peu... Voilà, tout simplement. Et pour votre information, une moto du style comme vous pouvez dire, ça coûte pas cher. Hein. Enfin, ça coûte quand même quelque chose, mais... Ah, ça c'est l'arme que je déteste. Voilà, donc là, c'est normalement, je pourrais changer d'arme, mais tranquille. Ça c'est le genre d'arme où ça tire une balle par une balle, enfin, une flèche, du coup c'est chiant. Ça, je l'ai payé 950€ la moto. Donc c'est plutôt raisonnable pour commencer, hein, sachant que maintenant, les motos c'est mieux à 1500, donc c'est... Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, que dire d'autre? Je sais pas, à toi tu mords. Voilà. Donc bah on va recommencer, on va continuer à parler du jeu. Ah oui aussi, il faut que je vous dise. Pour le prochain épisode de construction d'une forteresse sur The Forest, vous allez voir un peu le truc que ça va être. Ça va franchement être un truc de fou parce que j'ai fait un petit test tout à l'heure. Un test qui fait que j'ai essayé de construire un peu à l'endroit où j'ai remarqué. Et franchement, c'est trop bien. C'est enfin, c'est un endroit en fait, je vais pas vous le dire maintenant, je vais vous laisser le suspense, comme ça vous serez pressé de voir l'épisode de The Forest. Mais franchement vous allez voir, c'est super l'endroit que j'ai trouvé. En plus on peut monter super haut, enfin c'est un truc de... voilà. Et j'ai un peu testé, mais bon je suis tombé sur un bug, ça m'a plus le seum, donc j'ai arrêté, mais franchement vous allez voir ça va être super. Donc j'attends que vous sortent, hein, je sortirai assez tard malgré bien. Ensuite je sortirai un épisode. Donc, ça ce qui fait que je peux tirer en unité. T'as vu que j'ai pas l'immunité, donc plutôt marrant. C'est pour ça que j'aime bien World at War là avec son mode, c'est vraiment plutôt marrant. Le fait de pouvoir d'avoir des bonus comme ça assez insolites et tout, c'est franchement marrant. Donc je le conseille. Hein. Je vous le conseille à tous si vous voulez bien rigoler. J'en profite. Voilà. Alors dites-moi, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, donc déjà n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me ferait plaisir pour savoir ce que vous en pensez. Et aussi dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'essaie un jour de filmer mon gameplay et d'ensuite le commenter après. C'est-à-dire de commenter en différé. Parce que je pense que je pourrais dire plus de choses et ce serait plus intéressant pour vous.
du fait que par exemple d'avant j'ai créé sur une feuille de quoi je vais parler et ensuite bah j'en parlerai du coup je pourrais mieux parler, être plus concentré sur ce que je veux dire. Enfin, je pense que ça serait mieux pour vous. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce mode de commentaires. Moi je pense que ça peut. Ah voilà, regardez ça. Ça ça améliore mon arme. Vous allez voir. Donc là il en a amélioré. Voilà. Donc dites-moi un peu et surtout aussi n'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir. Voilà. La 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 la. Donc là je suis vague 8. Donc là je passe. Ouais là je suis 8 là. Donc bon bah attendez de voir. Là ça fait plus de 10 minutes que je filme normalement. Bon ça va. Je pense que je vais m'arrêter dans le compte. Parce qu'après pour recoder la vidéo je vais juste douiller à mort. C'est pas le but. Je sais pas, je pense que je vais aller chercher le truc là-bas, c'est balai limité. Attention. Là ça va devenir un vrai carnage. Parce que balai limité avec une arme améliorée, mais. Enfin voilà. Je peux me tirer dans les pieds. Oh là j'adore. Et tant pis quel genre de jeu, vous avez bien, ça vous découvrira qu'en deux, pensez au jeu. Donc bah allez hein, dans quelques jours vous aurez une vidéo sur The Forest hein. Et les courses ça recommence bientôt. Oh là là quel malheur. C'est chiant. Moi ça m'énerve. J'étais tellement bien en vacances, tu peux faire ce que tu veux, t'as du temps pour tout. Voilà, mais bon, c'est comme ça hein, c'est la vie. Hein. Moi tu vas avoir un métier, tu peux faire des études, enfin, pratiquement. Je peux plus Oh merde. Moi je suis mort. Super. En plus je me concentre. Voilà, ce que je veux dire c'est que ouais, des fois je me dis que à l'époque on peut trouver un métier sans avoir de diplôme, c'est à dire que si t'étais fort en quelque chose on avait pas de diplôme. Alors que maintenant bah t'as pas de diplôme, enfin tu peux pas, tu peux rien faire. Vite, recharge, recharge. Moi qui suis tellement fort, tu sais, on me fout un sniper dans les mains. Alors c'est là que je sais pas trop comment je vais faire pour survivre. Alors il me manque 146 points, c'est ça ou pas? Ah parfait, voilà, c'est bon. Que le sniper et le truc à fléchette, c'est ce qu'il y a de pire. Ah donc j'espère que ça vous plaît un peu ce style de jeu. Si vous me dites bah je pourrais aussi changer de map à l'occasion, faire d'autres maps. Il y a aussi un jeu, alors un abonné m'a conseillé, c'est un jeu gratuit, désolé à toi, j'ai tout pris, tu vois. C'est à dire que, enfin c'est pas que j'ai pas le temps mais je pense pas forcément. Va bouger. Et ce jeu je sais plus comment il s'appelle mais il m'a dit que c'était un jeu français, c'est pas mal. J'irai voir, désolé encore, il m'a dit que ça allait me plaire et tout, donc j'irai voir tout à l'heure, désolé. Tout à l'heure, du coup là quand je me cadrais j'aurais déjà été voir mais j'irai voir tout à l'heure et du coup je verrai un peu si c'est un jeu qui peut me plaire ou pas. Voilà tout simplement. Donc là je pense que je vais aller bouger parce que j'ai beaucoup d'argent et normalement j'aurais déjà dû bouger plus longtemps. Donc je peux aussi m'acheter Mastodonte, ce qui me permet de résister à beaucoup de, enfin plus de trucs que ce que je peux faire pour l'instant. Donc c'est pas mal. Le problème c'est que là je me suis pris trop tard et je pense pas que j'aurai le temps d'aller l'acheter. Non, j'aurai pas le temps. Donc on va quand même essayer de courir. Le problème aussi avec ce jeu c'est que des fois il y a des bugs, ce qui fait que c'est un peu dommage mais bon. Voilà donc je vous fais aussi un peu découvrir hein, avant d'aller loin, je vous fais un peu découvrir et puis au pire je ferai des. Après je couperai la vidéo et j'irai directement. Enfin je vous montrerai directement les maps élevées, enfin voilà. Peut-être plus intéressant pour vous. Parfait. Voilà donc là normalement je suis plus tranquille. Et je peux aussi me rester sur le travail. Merde. Non. Mais merde. Bon, désolé pour ça. Vu que ça fait combien de temps qu'on fait une vidéo, je pense que ça va peut-être être du coup une petite vidéo pour vous montrer simplement un peu le principe de ça. Et si vous aimez bien, bah j'hésiterai pas à refaire des vidéos soit sur la même map, soit sur d'autres. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir.
parce que sans commentaires, je peux pas savoir, et sans avis, bah personnellement, je peux rien faire. Voilà. Donc merci beaucoup. Merde, ça commence automatiquement. Merci beaucoup à ceux qui me suivent régulièrement, qui commentent, ça me fait super plaisir. Enfin, continuez, franchement. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Dites aussi vos avis sur mon intro, juste pour rigoler, ça va être plutôt marrant. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.